Bonjour Vincent, vous voilà à Nice et dans vos écrits vous faites également venir Marilyn Manson jusqu'à Nice pour y rencontrer notamment les Dominicains. Ah, il se trouve que j'ai étudié Marilyn Manson pendant 6 ans. J'ai fait beaucoup de recherches sur internet, j'ai étudié son comportement, sa façon de répondre, sa façon de ironique ça, dans sa façon de parler, sa façon de prévoir, sa façon comportementale. Marilyn Manson, en dehors de l'étudier pendant 6 ans, j'ai créé mon personnage, parce que lui, il a toujours dit, Marilyn Manson, qu'il était un écrivain frustré, et pourtant il écrit bien, il écrit très bien. Il a dit qu'il était un écrivain frustré et que Marilyn Manson, son personnage de Marilyn Manson, était un personnage de fiction extraordinaire qu'il avait inventé pour lui. Et moi, avec ces concepts de Marilyn Manson à Nice, Marilyn Manson à Jérusalem, Marilyn Manson avec ma grand-mère, je me suis dit, je fais en sorte de faire carrément un roman sur lui, il a inventé le personnage et moi j'ai fait les nouvelles. Donc de Nice. Vous entraînez Marilyn Manson beaucoup plus loin encore jusqu'à Jérusalem. Alors parlez-nous de cette étape. Je me suis dit le contraste de l'antéchrist superstar à Jérusalem, berceau de Jésus-Christ, c'était quand même assez pas mal, quoi, je trouve. Je suis arrivé et je pensais avoir dénoté tous les détails de Jérusalem. Le Jourdain, une église paralytique, le mont des Béatitudes, je pensais avoir décrit tout. Et il manquait un truc que j'avais pas fallait vraiment pris en considération, c'était le mur des Lamentations, qui est symbolique, vraiment. Et le mur des Lamentations, il se trouve que j'ai eu du bol, parce qu'au moment où j'allais taper mon texte, Frère Emmanuel m'a envoyé un mail en me disant « Je vais au mur des Lamentations à Jérusalem. » Quand j'ai vu ça, j'ai dit « Putain !» Et j'ai pas pensé au truc. Et j'étais en train de taper. Donc c'est là où moi j'avais fait mon texte, j'ai suivi ma routine, mais j'ai vraiment un peu tout changé dans mon texte pour dire que la fin, au lieu de se passer dans la rue, elle se passe au mur des Lamentations. Et donc ça donnait un impact sur les religieux juifs qui sont au mur des Lamentations sans arrêt à prier, à demander l'aide de Dieu, etc. Je trouve que, voilà, donc je l'ai mis en scène religieusement, je me suis dit, pourquoi pas faire un texte en mettant en scène un autre artiste pour changer, Ozzy Osbourne. Et je me suis dit, je vais faire mon propre épisode, parce qu'en fait, quand je voyais ces épisodes d'Ozzy Osbourne, j'avais envie de faire un truc dans le même style avec Marilyn Manson. Et j'ai pas pu le faire. Et je me suis dit, là, je vais faire une exception. Je prends Ozzy Osbourne tout seul et je vais le faire avec ma grand-mère. Et ça. Donc j'ai fait un épisode inédit de Ozzy Osbourne. Personne ne le connaît, personne ne voit les sauf, c'était les gens qui ont le livre. C'est exactement le thème de ton livre. Plaît à vif, c'est le thème de la souffrance, la mienne de souffrance, mais la souffrance. Bon, je parle de la mienne parce que je suis moi, mais le thème du bouquin, c'est la souffrance, les émotions à vif, la fleur de peau, les émotions, ce qui nous fait frissonner, ce qui fait vibrer les jeunes au Hellfest. Le Hellfest, le festival de métal que j'ai évoqué dans mon livre, qui est une sorte de une forme d'église, une forme de,
de purification et de communauté de prière pour même si c'est le death metal, c'est quand même une forme de victoire expressionniste et religieux. Mais le thème du livre, c'est la souffrance et hurler la détresse qu'on a, enfin bon, hurler ma détresse en tout cas dans ce roman, ce que j'ai eu, parce que j'ai été meurtri par les filles qui m'ont damné, qui m'ont. Là, je suis quand même caché dans l'obscurité, dans une culture que je ne comprends pas. Ma nature est très dure et tout ça. Et je suis quand même quelqu'un qui est en désaccord avec ma nature et qui est en désaccord avec la nature. Voilà. Et je suis, comme je dis dans des mots pour comprendre, je suis un vampire damné, parce que je me nourris des excès des autres, damné aussi parce que voilà, je n'ai aucun droit, j'ai rien, je suis toujours tout seul, et tout à Montpellier. Bon là, je suis à Nice, hein, demain retour à Stalingrad, donc je vais voir les déchus, le damné va revoir les déchus, ça, voilà. Le seul truc, en dehors de l'écriture, qui est très important pour moi, mais l'écriture, j'ai toujours la trouille de ne pas pouvoir écrire, mais bon, j'ai besoin d'écrire, c'est pas vrai. Mais le seul titre qu'on m'a affublé et qui est marqué sur mes bouquins, que je mets partout et ça, c'est ici, c'est à Nice qu'on m'a donné ce titre religieux. On m'a baptisé, bon, on l'a pas fait de manière dans l'église officielle, hein, mais on m'a baptisé d'archimandrite. Donc je suis l'archimandrite ténébreux, parce que j'écoute du death metal et que je suis fan de Marilyn Manson et que j'ai une façon sombre, gothique et tout ça, mais archimandrite. Voilà. Donc je suis quelque part une forme de prêtre, mais je ne suis pas prêtre officiel. Mais bon, ce titre religieux, je l'ai pris à cœur. Je l'ai pris vraiment à cœur. Pourquoi les gens sont méfiants de la religion? Pourquoi les gens sont opposés à ça? Parce que ils ne croient pas à la fin. Pourquoi vous croyez qu'il y a que des vieux dans les églises? Les gens, toute leur vie, sont jeunes, ils disent on est immortel, on est éternel, on va jamais crever, on va boire, on va faire la fête, on va sniffer de la coke, on va s'amuser, on va prendre du LSD, on va jouer, machin, on va faire un carnage, voilà, voilà. Ils sont immortels. Mais quand le temps passe, ils commencent à devenir vieux, ils ont des gosses et tout, donc ils finissent par se calmer et ça, et après, ils commencent à se dire, ils se rapprochent de la fin de plus en plus. Et une fois qu'ils sont vers la fin, ils commencent à se dire, merde, je suis en train de vieillir, je suis en train d'aller vers la fin, qu'est-ce qu'il y a après la vie? Je vais mourir, je suis foutu. Qu'est-ce qu'il y a après la vie? Je ne veux pas que ça s'arrête. Et donc ils se mettent à croire à la vie éternelle, au paradis, à Dieu. Et c'est là qu'ils deviennent des plus fervents fidèles, ils sont là, ils se flagellent, je crois en Dieu. La plupart des intégristes chez les carmes à Montpellier, c'est comme ça que ça se passe, quoi. Même pas de geste de fraternité, rien, mais surtout cela, je crois en Dieu, parce qu'ils ont peur de leur reflet de la mort. Et le problème, c'est que pourquoi il y a autant d'athées? Parce que les athées n'ont pas compris le vrai sens de la religion. Ils voient le Vatican. Quand ils voient le Vatican, forcément, le Vatican, c'est surtout bling-bling, fringues de luxe, en or et tout. La religion accepte l'homme pour que l'homme accepte la religion. C'est une forme de mariage, quoi. Reportage, merci à Madame Nice, Jean-Marie, c'est présent. Il joue là, il se cache parce qu'en fait il va être anonyme maintenant, il va rentrer dans la clandestinité, il va prêcher dans les bunkers des djihadistes. Mais tout le monde n'est pas anonyme. Archimandrite est de retour, avec toujours beaucoup de talent, il a un talent renouvelé, qui donne envie de lire son dernier ouvrage. Bonne lecture à tous. Archimandrite Death Metal, Ghetto Dracula, on l'a pas.